Allez, grand jour de départ. On en a pour au moins 600 km, au moins, je sais pas, j'ai pas compté exactement, 600 et quelques, ou 500, entre 500 et 600, 700, bref, pour cette plage. Donc on va passer par Vierzon, on va recharger, faire une recharge à Vierzon, pour ensuite aller à Cesson, pour ensuite... Maintenant, tournez à droite sur Cité des Non, Moineaux. non, 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 10 heures. Non, c'est là. On va faire un arrêt à 16, donc à Vierzon. Recharge, on va recharger, je sais plus combien de temps. On va recharger 30 minutes à Vierzon. Oula, c'est un peu flou, non? Ouais. Ce qui fait nuit, c'est pour ça. Là, je suis en grand angle et ça m'aime pas. Donc, on va charger à Vierzon. Ensuite, on va charger à Cesson. Cesson, c'est moi qui l'ai modifié, parce que ça nous faisait passer à Rungis au début. Bon, Rungis. À l'heure où on allait arriver, ça nous faisait prendre le périph de. Maintenant, Ah, tournez à droite chut! sur Cité des Moineaux. Plus le périph plus proche de Paris. Comme vous pouvez le voir, ça nous faisait passer plus vers Créteil, tout ça. Donc, à midi, vers midi, c'est même pas la peine déjà là, en grande couronne de Paris. Ça risque d'être. Ça nous fait un petit détour, mais bon, ça nous fait contourner Paris même, ça nous évite le périph, donc au moins ça nous fait une petite merdouille ici, mais c'est pas grave, de toute façon on va profiter. C'est le premier grand trajet en Tesla. Bon, c'est un peu flou, désolé, parce que c'est de nuit. Et puis bah voilà, on va se retrouver au superchargeur et puis voilà. Allez, à plus. Pour cette première partie, la voiture nous dit de charger qu'on arrivera à Vierzon à 31% tout le long de la route. Je vais faire une moyenne de 135, enfin je vais rouler autour des 135 km/h pour 130. On va dire que j'y suis pas allé en éco-conduite. Donc voilà. Donc au début, on arrive sur Vierzon, enfin, on va arriver sur Vierzon autour des 31%. On va finalement arriver à 28% à peu près. Donc on a une petite marge d'erreur. Enfin, une petite marge d'erreur. On est un peu surconsommé, c'est un peu normal. Comme je roule au-dessus, légèrement au-dessus de la limitation de vitesse, c'est normal. Le chargeur de Vierzon, très sympathique, avec des panneaux solaires. Des panneaux solaires, tout simplement. Franchement, c'était agréable. Il n'y avait pas grand monde. Enfin, il y avait un petit flux, mais ça allait, hein. Vous voyez, on était 6 voitures à charger. Il y avait je sais plus combien de stèles. Ensuite, on reprend la route pour aller à Cesson. La voiture nous dit qu'on allait arriver à 17%. Là, pareil, les conditions météo étaient bonnes. Bon, à part, il faisait 11 degrés, mais en vrai, ça va. C'est comparé au retour, comme vous allez le voir. Le retour, c'est autre chose, hein. Le retour, on était en pleine tempête. Mais pour l'aller, déjà, c'est quelque chose. Donc, on est arrivé à Cesson. Bon, j'ai pas beaucoup filmé, hein. On a mangé un peu sur le pouce vite fait. Et puis, on est reparti. Donc, on est arrivé à Cesson, on est arrivé à 15%. Maintenant, on va aller charger à Valenciennes. Valenciennes, c'est notre charge, on va dire, finale. Parce que, en fait, c'était pas loin de notre destination, donc dans le nord, Maubeuge. Donc, on a décidé de faire une charge pleine, une grosse charge pour tout le week-end du Nouvel An. Comme ça, on est tranquille et puis on n'avait pas trop à recharger par la suite avant de partir. Donc, à Valenciennes, on prévoit d'arriver. Enfin, la voiture prévoyait d'arriver avec 17%. Finalement, on est arrivé avec 15%. Donc, encore toujours une petite marge, hein. 17 pour 15. Toujours à la même limitation de vitesse. Enfin, même, malgré qu'il y ait eu des limitations 110, mais généralement, on était un peu au-dessus. Mais voilà. Donc, j'ai pas filmé le superchargeur de Valenciennes. C'était un V2, donc ça nous a pris un peu plus de temps, hein. Ça plafonnait à 150 kW. Europe, pardon, kilowatt. Oh, voilà. Bref, sinon à part ça, le trajet s'est très bien passé pour cette première moitié. Et nous voilà arrivés à Maubeuge. On a mis
Environ combien d'heures de route? On a mis au moins 6 heures. Non, on a mis plus de 7 heures de route, je crois, à peu près, environ. En tout cas, bon, on a consommé un peu, ça a pas mal consommé. Tout ça, on a fait 718 km. On a bien roulé quand même. C'est un peu le bordel au niveau de Paris, mais bon. On a un peu consommé. Bon, c'est l'hiver, c'est normal. 165 watts au kilomètre. Bon. On a chargé donc à Vierzon. Vierzon, un superbe superchargeur sous panneau solaire. C'est sympathique comme tout. Et donc ensuite on a chargé à Cesson, donc c'est en banlieue parisienne. C'était un super, franchement il était sympa le super chargeur là, parce qu'il y avait pas mal de commodités sur le bord, il y avait un subway, bref. Franchement, j'en suis pas déçu. Donc là on est à la première partie du trajet. Là on va rester 2-3 jours ici à Maubeuge. Ensuite on va partir en Lorraine sur les côtés de Nancy. Oula. C'est inversé là. Sur le côté de Nancy. Et puis voilà, bref. C'est un très bon trajet. Ça a très bien roulé. Franchement, j'ai pas été déçu. L'autopilote ne m'a pas fait défaut. D'ailleurs, j'ai voulu doubler à un moment. Sauf que j'étais en autopilote. J'ai appuyé sur la pédale. J'ai eu un désengagement de l'autopilote en appuyant sur la pédale où j'étais à plus de 140. J'ai monté malheureusement à plus de 140 sous autopilote. Et comme vous voyez, je suis toujours à 5 fois. J'ai été désengagé par la voiture, enfin l'autopilote s'est désengagé de lui-même, et je suis toujours à 5 fois. C'est bizarre. On dirait que c'est valable que pour les désengagements via la caméra ou la où on ne tourne pas le volant suffisamment. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. J'ai pas eu un seul défaut de tourner le volant. Enfin, juste, il suffisait de faire un poids sur le volant, ça enlevait le message. J'ai eu juste regardé, soyez attentif à la route, une ou deux fois, parce que bon, bah, j'ai changé de musique, mais ça m'a jamais désengagé l'autopilote. Donc, franchement, la mise à jour, enfin, beaucoup de râles pour ça, mais en vrai, je vois pas pourquoi, parce que franchement, ça change en rien en utilisation. Faut vraiment le chercher, clairement, faut vraiment le chercher pour se faire désengager l'autopilote quand on regarde pas la route. Vraiment, suffit de regarder la route, tourner un petit coup de volant et donner un petit coup de volant vite fait, léger, même très légèrement, même, parce que maintenant, suffit juste de faire juste une petite pression. J'arrive à ne pas déclencher le message juste en faisant un petit coup de genou. Hein. Donc voilà. Bref, sinon, ça s'est très bien passé. C'est un très bon. Il y a eu un top. Bon. Il y a eu un temps, on va dire, ouais, nuageux. Il y a eu un peu de vent, hein, quand même, en arrivant dans le nord. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, il y a eu un peu de circulation sur Paris. On est passé donc pour de Cesson, on est passé vers Charles de Gaulle, ensuite, qu'on est reparti du superchargeur de Cesson. Mais bon, franchement, il n'y a rien eu de. Franchement, rien d'exceptionnel. Enfin, rien de bien dramatique. Franchement, la consommation était bonne. On a chargé à chaque fois. On n'avait même pas le temps de. À Cesson, on avait mangé le temps de manger. La voiture était déjà prête. Et pourtant, on chargeait une demi-heure, 20 minutes à peu près. Ça nous faisait de charger. Voilà. Donc, ouais, chaque arrêt, c'était. De toute façon, on va faire une conclusion en fin de voyage, enfin, en fin de vidéo. Vous allez voir ça. Alors, pour l'instant, on va continuer la route, enfin, la trajet, tout ça. Et nous voilà pour la suite du trajet, là où ça se gâte. On a eu un temps exécrable, pourri. Là encore en Belgique, il pleuvait, c'est tout. Ça allait à peu près, il y avait un peu de vent. Mais vous allez voir plus tard, la consommation explose la voiture. Enfin, la consommation explose. Vous allez voir à peu près à combien on est en consommation, parce qu'on avait vent de face, ça soufflait. La voiture, elle bronchait pas. Hein. Mais bon. Là, on est en Belgique. Déjà, les Belges, je vous salue pour vos routes, parce que vos routes, c'est une catastrophe. Mais bon, franchement, il y a des beaux petits coins en Belgique, malgré la pluie. Donc, bon, pour rentrer sur Limoges, on est passé par la Belgique. Mais vous allez me dire, mais pourquoi passer par la Belgique alors que Limoges, il fallait redescendre par la route qu'on a prise. Alors, tout simplement, parce qu'on devait aller voir des amis à Nancy. Donc du coup, de Maubeuge, on a fait la Belgique. On devait charger à Arlon, qui est en la frontière de la Belgique et du Luxembourg, à un hôtel. Vous allez voir, bon, vous allez juste voir l'entrée de l'hôtel. On n'a pas filmé. Sur le retour, on n'a pas beaucoup filmé les superchargeurs, parce que bon, voilà. Mais on allait faire Valence, donc Arlon,
On a rechargé ensuite à Nancy, donc à l'Axou. Et ensuite, pour de l'Axou jusqu'à Limoges, on a eu une charge qui était prévue à Chalon-sur-Saône. Et comme vous allez le voir plus tard dans la vidéo, finalement, ça allait trop ric-rac. Du coup, on a switché sur une charge à Dijon. Donc là, comme vous le voyez, on arrive au superchargeur de Arlon, qui est sur un hôtel. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on doit faire tout le tour. On sort de l'autoroute pour faire le tour de rond-point, pour prendre le sens inverse, pour rentrer sur le parking de l'hôtel. Bon, hein, c'est assez bizarre, mais bon. Donc voilà, donc on a chargé au moins 10-15 minutes sur le superchargeur là. Je ne sais même plus à combien on devait arriver, mais on est arrivé toujours avec une petite marge d'erreur. Là, ça allait, on voit qu'il y a un peu de vent via les drapeaux, la Mercedes. Mais on avait une petite marge d'erreur, toujours pareil comme pour l'aller, un peu de 2-3%. C'est seulement après où vous allez voir, vraiment, ça va se gâter de quelque chose de bien. Hein, ça va vraiment se gâter. Ou les pourcentages, notamment, voilà, pour de Chalon-sur-Saône à Dijon. Tout simplement. Donc là, on a repris la route donc en direction de Nancy, donc on va passer donc par le Luxembourg là, d'ailleurs on doit être au Luxembourg sur la vidéo. On a une petite traversée du Luxembourg pour ensuite on va passer par Metz et Metz comme dit ma compagne, elle dit Metz, moi je dis Metz. Bon bah, c'est comme ça, les prononciations de chacun, mais de Metz. Luxembourg, bon, pareil, hein, pluvieux, mais ça allait là. Franchement, c'est pas le pire qu'on a eu. C'est une petite pluie, bon, c'était humide. Bon, on faisait pas les fous là, par contre, on roulait vraiment, je roulais pas au-dessus des limitations. Hein. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, 103 pour 110. Bon, hein, on faisait pas trop les fous. Donc là, on était déjà reparti de l'Axou. On était aux abords de Toul, parce que bon, c'était là où habitait ma grand-mère, donc je montrais un peu ma compagne, justement, bon, où elle habitait à peu près. On est juste passé sur l'autoroute, donc là, c'est là où ça se gâte, comme vous pouvez le voir, 233 watt-heure au kilomètre sur le trajet actuel, donc depuis l'Axou hein, qu'on est parti. Comme vous pouvez le voir, donc là, la voiture nous dit qu'on allait arriver à Dijon avec 11%. Elle avait déjà recalculé, et finalement, bon, bah, on est arrivé avec 10-9%, toujours pareil, mais bon, là, on avait pas mal le vent, malgré qu'on roulait moins vite. Mais là, c'est juste simplement le vent. Là, encore, en vidéo, ça a l'air d'aller. Hein. C'était pas les pires choses, c'était pas les pires moments où il y avait quelque chose. Bon, on avait chargé à Dijon, là, on est maintenant en direction de Montluçon, la dernière charge avant d'aller arriver chez nous. À partir de Montluçon, ça allait mieux, hein. On est sur l'autoroute, je ne sais plus laquelle, c'est l'autoroute avec les portiques, où il n'y a plus besoin de payer au péage. Et donc vous voyez, on arrivait à 9% à Montluçon, et finalement, bah, on arrivait bah, autour des 10%. Ça faisait des choses bizarres un peu, la dernière portion jusqu'à Montluçon, c'était un coup ça baissait, un coup ça remontait, bref, c'était assez bizarre. Mais bon, les conditions étaient meilleures, donc on pouvait rouler un peu plus vite, donc on en a profité. Et donc Montluçon, toujours pareil, la route était impeccable. Et puis bah pareil, on n'a pas filmé les recharges sur le retour, on est désolé, mais bon, avec le temps pourri qu'il y avait, bon, on profitait de se reposer. Donc là on était en direction de chez nous. Là c'était la portion après Montluçon et on voit les éoliennes qui clignotent au loin. Donc, pour ceux qui connaissent la région, voilà. Et donc arrivé de nuit. Donc en deux jours au total, on a fait 1800 km, qui est quand même un total hein, de 1800 km, qui est déjà pas mal. Alors en conclusion, on a fait un total de 1880 km pour un total de 333 kWh et on a fait une moyenne de 177 watt-heure au kilomètre. Je vous laisse faire la conversion sur les kilowattheures au 100. Mais c'est déjà un beau petit trajet, 1880 km, dont une partie, on a fait 680 le 28 décembre, si je me rappelle bien. Et maintenant, on va passer au prix de la recharge. Alors, petit disclaimer pour la recharge, attention, ce n'est pas des recharges optimisées.
On a chargé plus qu'il ne fallait sur certains superchargeurs, comme notamment à Montluçon, où on est resté manger. On a à Laxou également, parce que Laxou, finalement, on aurait pu, si on n'aurait pas été voir des amis, on aurait pu charger pour moins que ça, comme on est resté pour manger également. Le superchargeur de Cesson également, on est resté pour manger un peu plus, donc la voiture était prête bien avant. Finalement, on aurait pu en tirer pour moins cher. Et il y a un superchargeur qui était inutile, c'est le superchargeur de Mons qui finalement on a été visiter Mons et puis on s'est dit tiens on va aller voir le superchargeur de Mons et puis on a profité pour recharger mais finalement celui-là il était inutile. On en a eu pour un total de 119 €, si on enlève le superchargeur de Mons ça nous fait 110 €, mais si on rajoute la charge d'appoint à la maison, ça nous fait 115 €. Hein. On a à peu près chargé 5 € de charge d'appoint à la maison. Mais on aurait pu avoir des chiffres un petit peu moins si on aurait vraiment optimisé, si on aurait vraiment branché, chargé vraiment ce dont on a eu besoin. Si on prend en compte dans notre total de 119 € la charge d'appoint à la maison, donc les 5 €, ça nous fait du 124 € sur le total. Qui aurait été un pas le double, mais autour des 200-180 € pour notre ancienne 207 diesel. En conclusion, franchement, c'était que du plaisir, ces 1881 km au total. Je n'ai rien à dire, j'ai pris du plaisir à conduire et j'espère que la vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine et à ciao ciao!